moi c'est Maxime Co. J'entraîne au niveau du club de Saint-Jean-sur-Cher, donc dans le 41. Je suis en charge de la catégorie U11 et U18. Et je joue aussi en senior là-bas au niveau D2. Franchement, la formation se passe super bien pour l'instant. On apprend beaucoup de choses. Puis l'ambiance incroyable. On a un groupe très soudé et on s'amuse vraiment bien ensemble. Bon, vas-y, c'est bien. Être sur le terrain, passage pratique au niveau d'apprendre comment les gens, comment nos camarades plutôt, mettre en place et comment ils s'y prennent. Ça me permet aussi de pouvoir prendre des notes. Gérer déjà les deux catégories G. Ensuite, je m'occupe de pas mal de choses. Tout ce qui est traçage des terrains, au niveau des équipements, c'est moi qui m'en occupe. Je chapeaute aussi un petit peu les équipes U9 et U7, voir comment ça se passe. Les U13 aussi, mais mon camarade s'en occupe bien, donc il a passé son BMF aussi. Il y a aussi les féminines, qu'on essaie de promouvoir au sein du club. Voilà. L'arbitrage est très très important ici. On nous fait parvenir comment le coach doit réagir face aux erreurs d'arbitrage ou à l'arbitre tout seul. Si on doit se mettre à la place de l'arbitre, comment on se comporterait aussi, parce que c'est compliqué, c'est un poste ingrat qu'il faut aimer faire. Et je trouve que c'est bien comment ils mettent ça en place. Ah oui, on pensait que connaître les règles, en fin de compte, on ne connaît pas vraiment toutes les règles, on apprend beaucoup de choses. Le rôle d'arbitre est très compliqué, savoir prendre la décision assez rapidement, mettre les bons avertissements, bien parler aussi, parce que c'est très important et ça a été très bien fait durant la formation. J'aimerais bien avoir une équipe senior qui joue au moins en régional, prendre du grade un petit peu, et pourquoi pas réussir à faire monter une équipe senior plus haut que la Wallée.